Salut tout le monde, c'est Maxime49 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la série de la visite de Peur sur le Parc sur le serveur Asterix Draft en compagnie de Mangoljo. Bonjour à tous. Et puis donc dans cette vidéo nous allons visiter toutes les maisons hantées du parc, à savoir Mission perdue, la maison de la peur et la colère d'Anubis. Bon bah ça là-bas je vais vous montrer un peu, j'avais oublié de montrer ça dans les décors, le fiacre. Ah oui, les décors, oui. Donc, Puis donc on va tout de suite commencer la vidéo, hein, car il y a pas mal de maisons et puis on va essayer de tous les faire. Or ça ne va pas trop me surprendre, hein, comme je vous ai dit, car c'est nous qui avons fait les décors, donc voilà, c'est pas le meilleur, c'est pour ça que j'ai voulu séparer même les deux vidéos les unes des autres, pour ne pas vous spoiler pour ceux qui voulaient voir. Alors là pour ceux qui se demanderaient, on est dans Mission perdue, je vais mettre le son à fond. C'est pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire aussi. Voilà, c'est pratique pour vous, comme ça vous pourrez un peu voir à quoi ça ressemble. Même si vous... Même pour ceux qui ne peuvent pas se connecter sur le serveur. Ouais. En gros, mission perdue, ouais. Si vous voulez savoir, c'est... En gros, vous êtes perdu dans... sur notre planète, en quelque sorte, et puis il y a plein de choses bizarres. Vous êtes perdu, voilà, d'où le monde de mission perdue. Ouais. Et puis un peu des zombies, comme ça, qui vous sautent dessus, tout à travers... à travers la maison. Alors pour vous dire, sur le serveur, cette maison c'est celle qui fait la moins peur. Il y a 3 degrés pour moi, enfin, c'est la première qui fait la moins peur pour moi, c'est celle-là. Ensuite, entre la colère d'Anubis et puis entre la colère d'Anubis et la maison de la peur, je dirais la colère d'Anubis est moyenne. Oui, bah oui. Et pour moi, ce qui fait le plus peur, pour moi, c'est la maison de la peur. Oui. Donc voilà, un peu ça que l'on... C'est bizarre de passer entre les zombies. Ouais. C'est vrai que ça fait bizarre. Tac. Il fait tout noir. Ta gueule. Et je pose des blocs. Attends, voilà, super du bois. Cette salle est déconseillée pour les épileptiques, comme moi je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Et personne crossroad. Non, crossroad, je sais plus, voilà. Crossroad fort. Peu importe. Et puis donc voilà, c'est déjà fini, hein. C'est très très court comme celle-là. Je vais baisser les sons. Oula. Mon PC, faut te dire que je pense à le redémarrer des fois parce que là il me troll actuellement, tu vois, là il se dit va te faire, ah ouais, j'ai envie de ralentir. Lol. Non mais là c'est horrible, là je sais pas ce qui se passe. Je perds des FPS comme ça juste parce que je baisse le son. Bah tu l'éteins pas le soir? Non j'ai pas éteint hier soir. Du coup il a tourné 2 jours de suite. Non, moi je l'éteins tous les soirs maintenant. Ouais, moi aussi en principe je l'éteins tous les soirs, mais c'est qu'hier j'avais un petit rendu de vidéo à faire donc je l'ai pas éteint. Eh ben, alors la maison de la peur. Qui fait pas peur, qui fait peur, pardon. On passe par là. Tiens, que je te laisse passer, on fait pas toute la file, hein, parce que comme vous voyez, voilà, c'est un peu long et puis comme nous on est un peu des flemmards, on va pas le faire. Bah oui, on a le droit nous. Tac. Bah oui. Du coup je vais être devant. Profiter, on est du staff. Des streamers, je vais pas vraiment avoir peur, mais pour ceux voilà, qui ont envie de me voir flipper, ne vous inquiétez pas, je vous ai déjà demandé de me conseiller dans la vidéo à garde.io en facecam. Je vous ai déjà demandé de me conseiller voilà des maps d'horreur. Bah, encore dans cette vidéo, je le répète, si vous avez des maps d'horreur Minecraft ou des jeux d'horreur à me conseiller, eh bien conseillez-les moi et puis je les ferai en facecam et puis peut-être aussi que j'en ferai avec Romain, mais j'essaierai aussi de le faire seul pour voir comment je vais réagir et je pense que ce sera assez drôle pour vous. Oui, bah je m'en doute, ouais. Là, comme est fort. Ouais, la soundtrack originale de la maison de la peur. Et je ne parle pas comme ça, comme moi. Il n'y aura que vous qui vont en retard. Je ne parle pas. D'accord. Yeah.
j'ai arrêté le son. Et bien encore voilà pour la maison de la peur. Alors j'ai rien dit, justement j'ai même pas sorti, j'ai rien dit, comme ça vous permet vous d'être plus dans... ouais, ça me dit. Allez, j'avais envie d'être dans les backstage avec Jason. Alors, vous ne pourrez pas hein, car il y a des petites régions pour afficher cela justement. Oui bah. Allez, je vais revenir en arrière, c'est pas gentil. Par contre après faudrait voir, je crois que le clown il a bugué. Ouais non mais c'est pour ça qu'après il se re-TP après automatiquement je crois. Enfin, moi je sais pas, on verra après. On verra après la vidéo. Et donc alors voilà, on a déjà fait l'émission perdue à la maison de la peur. Alors c'est pareil pour ceux qui ne peuvent, pour toutes les personnes ne pouvant pas se rendre sur le serveur et puis qui voient cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de ces maisons. Ouais. Car on aime bien avoir des petits retours, on en a déjà eu pas mal sur ce serveur, il y en a beaucoup qui aiment bien. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de voir des petits retours en gros de comment vous trouvez les maisons. Étant donné qu'on essaie d'être plus fidèle à, on essaie d'être plus fidèle à quoi ça ressemble en vrai. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes. Oui voilà. Le Transdémonium, hein, c'est pareil, hein, il sera ouvert quand cette vidéo sortira. Car si vous voulez savoir, on tourne les vidéos. On tourne les vidéos à la suite. Tu là, fais avec mon gold. Tu fais. Ouais. On va faire la colère de Danubis. Alors, bon, alors voilà, on va simuler qu'il y a un guide hein, parce que du coup il y aura pas de guide. Ouais bah oui. Tu te déguises un guide. Mais je vais vous expliquer un peu. Bon, le portail normalement est ouvert, hein, mais là comme les représentations sont déjà passées, on va avoir une séance privée. Hein. Non, wow. je vais même pas me déguiser en guide là si tu veux, je vais juste un peu montrer comme ça, on va parler. Hein. Enfin, ouais, non, on va pas parler justement pour pouvoir avoir le son. Hein. Ouais, pour qu'ils aient le son, ce serait bien, ouais. Ah c'est bon, je suis là. Attends, on va mon gold, je suis ouvert. Nickel. Ah merci. Merci. Faut que je prenne ça, on enlève. Petite tronçonneuse, on enlève. On enlève. Nickel, voilà. Donc alors la colère d'Anubis. Alors pour vous dire, en principe, il y a un guide comme ça qui se trouve ici. Après, eux tous les guests se trouvent juste derrière le comptoir et puis en gros bah il y a le guide qui explique certaines choses. Comme quoi bah on va aller visiter un musée abandonné, tout ça, et puis après au fur et à mesure on passe de salle en salle. Voilà, sauf qu'il n'y aura pas de guide, hein. On va imaginer qu'il y a un guide pour la vidéo, parce que comme c'est moi qui fais le guide en principe, bah, je ne peux pas, et comme mon gars n'a pas encore été formé pour le faire. Ouais, malheureusement. Il ne veut demain, pas pouvoir, mais en gros, bah, on va imaginer qu'il y a un guide. Pour les petits systèmes, pour ceux qui se demanderaient. Voilà, on fait ça, on appuie sur le petit bouton comme ça, et ça lance. Alors je ne vais pas parler. Vous avez juste à imaginer qu'il y a un guide en face de vous ici. Qui s'anime un peu. C'est le moment. Le guide Tuck qui monte sur la table. Nous voici dans une zone très particulière. L'égyptologue qui a entassé là toutes ses découvertes a provoqué l'irréparable. La colère d'Anubis. Anubis. Le dieu funéraire à tête de chien. Celui qui conduit les défunts au royaume des morts. L'égyptologue qui a bravé les sortilèges des esprits millénaires a tout bonnement disparu. Certes, on prétend qu'il rôde encore dans les couloirs de cet endroit. Mais il semble qu'il est très mauvaisement. Avant de vous laisser entrer dans ces sombres galeries, voici quelques conseils de sécurité. Si on vous mord, si on vous griffe, rotus et bouche cousue. De toute façon, quoi que vous imaginiez, rassurez-vous. Ce sera pire. Il va être temps d'entamer votre parcours. Vous commencerez par ces galeries qui vous mèneront à votre perte. Oh, oh pardon. Pardon. Je veux dire à la salle principale. Là où reposent toutes les reliques du tombeau d'Anubis. Pour votre salut, mesdames et messieurs, soyez très prudents. Allez, ravi de vous avoir connu en un seul morceau. Et puis donc, voilà. En gros, bah, là, au début, il a expliqué un peu tout. Il a expliqué un peu ce qui se passait. En gros, bah, comme quoi, on va aller visiter un musée abandonné, voilà, avec...
avec des objets ayant appartenu à Anubis comme ça, et puis ça, et le temple va être maudit tout au long. Et puis du coup, bah c'est parti. On lance. La porte devrait s'ouvrir. Tac. C'est chier, le guide. Je fais le guide, là vous avez la vue du guide. D'accord. Donc, vous imaginez que c'est un guest. D'accord. Et une solide gastro. Quant au cargo qui a transporté ces satanées marchandises, il a essuyé de terribles tempêtes et a failli couler sans voix. Lorsque notre explorateur est arrivé ici, il avait perdu 30 kilos, il avait 58 de fièvre et ne chaussait plus que du 22. Alors, qu'allez-vous trouver dans cette salle? L'inventaire est aussi chaotique. Des reliques qui ont appartenu au pharaon Carapéfès. Ici même, dans le coin, une momie miniature, la momie Mazi. Et surtout, vous allez trouver un tas de raisons de paniquer. En tout cas, bonne nouvelle. Hein. Si vous avez peur, et que vous êtes toujours en vie. Ah, restez groupés, suivez-moi. Ne me perdez pas, bonjour monsieur. Allons-y, monsieur le Anubis, le dieu à tête de chien. Surtout ne lui jetez pas un objet en criant « Va chercher la babale !» Le dernier qui a essayé a beaucoup regretté. Depuis, c'est lui qui a perdu la bouboule. Allons-y, monsieur l'âme. Je laisserai faire le tour, Mongol, hein, tu sais à quel moment. Ouais. On l'a déjà fait ou pas ça? Pourquoi elle court là-bas là? Ah bon? Mais non, reste là, regarde. Il y a quelqu'un qui est rentré dans le papier là-bas. Et donc on va arriver à la dernière stade, juste après. Mais ça va s'en finir, mon gars. Ouais, je sais. Que ma vie manque. Si vous voulez revoir la lumière. Spectacle garanti en 3D, dont j'y suis tellement. Je m'en passais devant mon gars, là, t'es là. Putain, il était fait, l'enculé, il y a juste une son. Ah, putain. On le fait, on ne sera même pas, ça sera pas drôle, j'en fais quand même, allez. Putain, il me troll. Putain, ça m'a surpris.
Voilà, Ali, pour vous réveiller. Pour réveiller les abonnés. Nickel, voilà. Et puis donc, on a déjà fait le tour des maisons. Alors pour moi, alors comme je vous disais, en gros, pour le top des maisons, du plus peur à la moins peur. Alors en premier, pour moi, ce serait la moins peur. Alors la première moi, la qu'on a faite, ce serait Mission Perdue, à savoir la première. La deuxième, ce serait justement la colère d'Anubis, celle-là. Et pour moi, celle qui fait la plus peur actuellement sur le serveur, ce serait le... Celle qui fait la plus peur sur le serveur actuellement, pour moi, ce serait la maison de la peur. Voilà, je cherchais le mot, je ne trouvais plus, voilà. Alors par contre, après, la colère d'Anubis, alors là, comme on l'a fait, ce n'est pas exactement comme ça quand on est avec les guests. Hein. On ne fait pas la même ambiance du tout, parce qu'avec les guests, il y a plus de monde. Il y a le guide, voilà, ça, oui. On va dire que c'est pas tout à fait pareil. Et puis, allez, comme avant de finir cette vidéo, je vais passer par la petite promenade de Goudurix. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a un petit passage ici en gros qui permet de se promener autour de Goudurix pour pouvoir le voir de le contourner, oui. Voilà, le contourner comme il disait Mangold. Ouais. C'est pareil, le passage qu'on a essayé de faire le plus fidèlement possible avec des petites vidéos. Quand je suis allé au parc, j'avais filmé ce petit passage. Ouais. Et aussi voilà, si vous avez des objets qui vous gênent dans votre inventaire, on a mis des petites poubelles comme ça et puis c'est... Maintenant on peut ouvrir les menus des poubelles. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais c'est toujours un petit... Ouais. C'est toujours un petit plus, j'ai envie de dire. Tac. Voilà. Et aussi, pour ceux qui voulaient savoir, tous les samedis à 17h, il y a une parade avec... il y a une parade qui défile juste devant Goudurix ici. Hein. C'est pour ça qu'il y a ici, ouais, démarre ici, ouais. Tous les samedis, il y a une petite parade ici en gros avec des chars et des animateurs tous les vendredis à 17h pour ceux qui voudraient savoir. Oui. Sauf cas extrême si jamais il y a des annulations. Et pour la colère d'Anubis, voilà. Du coup, comme elle marche tous les horaires, voilà les horaires de la colère d'Anubis. Tous les jours de 15h à 15h15 et de 21h à 21h15, étant donné qu'on c'est souvent 21h10 car on lance la colère d'Osiris juste avant. Ouais, voilà. Et puis donc, je crois que c'est tout. Ou des fois on annule, ça dépend. Si en fait, ça dépend. Si jamais il n'y a pas le staff de présent, on annule. Mais on essaye d'en annuler le moins possible hein, pour vous satisfaire au mieux. Ouais. Après, des fois on peut pas parce qu'on est occupé ou parce qu'on a pas mal de choses à faire, mais on essaye quand même de garder un rythme régulier sur les programmes annoncés. Hein. Voilà. Ouais. Alors, donc, on fait de notre mieux. Voilà, on fait de notre mieux. Et donc alors, c'est ainsi que se termine cette mini-série de visite de peur sur le parc sur Asterix Raft. Alors comme je disais mini, hein, parce que voilà, elle a duré que 12 épisodes. Mais alors du coup, juste après cet épisode, les autres épisodes sur Asterix Raft, à savoir du coup l'épisode 11 va arriver dans peu de temps pour faire la visite du Transdémonium de l'hôtel des Trois Hiboux, peut-être. Enfin, je ne suis pas sûr pour l'hôtel des Trois Hiboux, mais on verra. Parce que tu sais, il y aura la visite du Transdémonium, un peu, on va vous montrer un peu l'avancée du serveur, tout ça. Voilà. Les nouveautés de Discobélix, les nouveautés, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis donc, voilà, j'ai tout dit. Alors du coup, laissez le petit pouce bleu, voilà, commentez, abonnez-vous, et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.